In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Et on est de retour à la SFCO en direct eh bien, de ce dimanche pour la suite et fin de l'événement avec la demi-finale du loser bracket maintenant qui va se jouer. Donc les équipes vont s'affronter pour le top 3. Il ne reste plus que 4 équipes en course maintenant pour le titre, à savoir donc eh bien, Red World qui est qualifié pour la grande finale. On a les Reveal qui sont en finale loser et du coup une équipe va les rejoindre. Ce sera soit les Evening, soit les Overtime qui vont se battre pour le podium sur cette rencontre. Exactement, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Overtime, on l'avait annoncé, c'était peut-être l'une des équipes qui allait faire le plus de mal à cette équipe de Red World. Finalement, ils ont pris un sweep 3-0, on en a parlé
tout à l'heure. Mais attention à ces joueurs de la Evenings parce qu'on les a déjà suivis samedi avec Maxi. Et franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour Mike Blunky et Zeke. Zeke qui est une très très bonne SMG. Blunky qui avait fait beaucoup de dégâts au Shenzhen avec sa barre. Je me rappelle encore, il avait vraiment marqué la game contre, je sais plus quelle était l'équipe. C'était voilà, une équipe française. En tout cas, ils avaient très très bien joué. Attention à ces Evenings à ne pas sous-estimer. On va partir sur un point stratégique sur London Docks. Et ensuite, on va avoir une SND sur Arden Forest, puis une CTF encore une fois sur London Docks. Et ensuite, si map 3 et map 4 et 5 il y a, pardon, on ira sur Arden Forest en HP, puis enfin une SND sur London Docks, mon cher Pyro. Tout à fait, on a fait le tour du map pool, la game qui est prête. Est-ce que les joueurs sont prêts, mon cher Drizzy? On va demander ça, et puis si c'est le cas, on partira tout de suite sur la carte. C'est parti donc pour la première map de ce Best of 5. Alors forcément, les overtime qui partent encore une fois sur les papiers favoris, voilà, face à ces Evenings, hein, donc on va pouvoir vous représenter les compositions dans quelques instants. Maintenant voilà, ça peut rester quand même un match assez accroché. On sait que logiquement en HP ça devrait être les Evenings, hein, qui devraient s'imposer puisque c'est quand même leur mode de jeu, on le sait. Ils sont très bons dessus. Après, c'est vrai qu'en SND, peut-être en CTF, il y a de la place, je pense, pour les Evenings. Donc il va falloir surveiller tout ça. On va partir donc sur cette première carte dans quelques instants. Ouais, exactement, donc on est parti maintenant sur London Docks en point stratégique. J'espère qu'on va avoir du beau spectacle. Overtime qui avait montré énormément d'efficience, notamment sur les points stratégiques hier. On va voir si ça continue sur ces standings. En tout cas, Puenta, Reflex, Cobra et Abuza tiennent à cœur de faire la différence contre les Evenings, Blunky, Satsuki, Nezia et Zeke. Deux full roster français de grande qualité vont s'affronter maintenant dans ce point stratégique. On va voir déjà le P1 qui va être en plein mid et qui va être déjà d'une importance capitale pour donner le ton de cette rencontre. Je pense que Puenta va directement se diriger dans le middle pour aller prendre ce point. Cobra va sûrement aller sur la droite dans la première longue pour contrôle map. Et on est parti avec Nezia qui va côté droit directement se diriger vers l'échelle pour aller poser un problème. Il va non même pas aller faire l'échelle, il va directement aller prendre le bac. Il va avoir un contact maintenant avec Cobra qui va essayer de prendre le kill. Ça ne passera pas, ce sera Satsuki et Zeke qui vont faire les deux premiers kills, moins deux déjà pour les Evenings qui sont déjà sur ce P1. Et pour l'instant ça se passe très bien, même si Abuza va prendre un premier kill. Très bon trade de Zeke, et pour l'instant les Evenings ont mieux commencé que les Red World, mon cher Pyro. Ouais, Zeke, la gros début de carte, 3-0, peut-être 4, non, finalement Overtime Cobra qui prendra le meilleur, et voilà, les Overtime qui vont pouvoir break ce P1. Un bon start initialement, c'est vrai, de la part des Evenings, hein, Blunky, Satsuki, Neizia et Zeke donc. Mais c'est vrai qu'Abuza, Cobra et Reflex et Pointer, on l'a dit, partaient favoris. Je pense que voilà, ça a été un petit peu la désillusion pour eux face au Red World. Ils s'attendaient peut-être à mieux, et malheureusement ils n'ont pas réussi à produire un niveau de jeu suffisamment bon pour pouvoir accrocher les Red World. Là en l'occurrence, voilà, on va partir sur le P2. C'est vrai que l'Overtime sont bien revenus là suite à ce P1 qui avait pas super bien commencé. Zeke là qui va être très important au niveau du bac, qui va décider de se replier pour laisser place à son coéquipier Blunky là qui justement avait justement tous ses moyens justement pour essayer de venir bloquer la rotate de la part de Overtime qui essaye de passer par le bac alors que son coéquipier était assez weak. En tout cas, deux kills qui viennent d'être faits. On essaye de break un petit peu de partout, et voilà, ça y est, on commence à faire bad spawn les joueurs des Evenings, ici on l'a vu au niveau du souterrain, et du coup les Overtime qui vont essayer d'en profiter pour push la heal. Ouais, parfait, hein, là il manque plus qu'il y a plus que le joueur, c'est le joueur numéro 2, c'est Satsuki qui est très bien placé pour faire la différence et qui est dans le bac. C'est bien joué, Satsuki va avoir un rôle capital, il fait les deux kills et du coup il permet à Evenings de garder ce point. C'était important parce qu'ils avaient bad spawn les joueurs d'Evenings. Maintenant il va falloir faire encore un kill de la part de Blunky qui va tomber, et du coup c'est Overtime qui reprend le contrôle de ce point, et la retake va être compliquée à moins que Abuza ne soit un petit peu trop gourmand ou qu'il se fasse push côté gauche. Non, la cover a été parfaite, il va prendre une assist et maintenant dans la longue il va prendre un kill, et pour l'instant c'est très bien. Overtime qui reprend le contrôle de ce P2 et qui va commencer à anticiper la rotation P3. On peut le voir avec le joueur numéro 8 normalement, Puenta, qui est sur la gauche de cette map et qui va faire un très bon double kill. Et Cobra qui prend la moins 3, et les joueurs de Overtime sont en train de prendre l'ascendant. La connaissance du jeu d'Abuza là, on l'a vu, il a directement regardé le bac dès qu'il a vu que ses adversaires étaient morts, puisqu'il sait que ça va respawn ici. Et là par contre il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il a un petit kill de débloquer son premier score streak. Il a que 2 score streak, je sais pas si c'est volontaire, à mon avis il a dû oublier de mettre son chasseur, c'est dommage. En tout cas voilà, il aura au moins sa bombe Bison normalement s'il réalise un kill, ça c'est sûr et certain. En tout cas, comme tu l'as dit, l'Overtime très bien placé sur le P4 là, sur le P3 pardon, qui avait fait la rotation, malheureusement il est tombé abusé, il aura pas ses streaks sur ce coup là. Puenta et Cobra là qui essaient de défendre la heal tant bien que mal, c'est compliqué, il se retrouve un petit peu en infériorité numérique. Surtout Cobra là qui fait un énorme kill au niveau du front, qui va essayer d'enchaîner, c'est compliqué. Il va switch sur son pistolet automatique un petit peu gourmand, il aura peut-être du tempo. Et du coup les Overtime qui gardent la heal pour le moment, mais les Evenings qui chaque seconde arrivent à grappiller un mètre ou deux sur la carte on va dire. Et voilà, à l'instant ça suffit pour bien break ce point. Attention parce que là Nezia il va avoir un énorme travail maintenant. Ouais, du coup Nezia qui va tomber, bon kill de Cobra qui va même de Puenta pardon, qui va se faire tuer par Cobra en TK. Attention, ça fera pas la différence, Abuza va prendre les points poubelles et la rotation va être effectuée du côté
côté des barils. Et attention, parce qu'en général, quand on a le contrôle de ce P3, on est très bien pour les barils. On va voir maintenant ce que ça va donner. Nezia qui est quand même mieux placé là. Et les joueurs d'Overtime qui vont devoir effectuer la retake. Et ça va être important pour Evenings de faire un bon point s'ils veulent revenir dans cette map. Parce que là, ils sont déjà de 70 points derrière. La contestation est bonne de la part de Cobra qui va très bien jouer de façon très intelligente. Il va empêcher la moins 3 et fait Abouza qui va rusher moins 4. Énorme barre de Abouza. Et du coup, c'est Overtime qui reprend encore une fois le contrôle de ce P4. Et cette fois-ci, ça risque d'être déjà fatal pour les Evenings. Ouais, c'est une boucherie hein, pour le moment. Là, c'est vrai qu'à part Blunky, on voit que les Evenings ont beaucoup de mal à s'en sortir dans cette carte. Alors qu'à l'inverse, voilà Puenta qui survole complètement la map en 15-9. Alors c'est vrai qu'on le voit, du coup, il fait un choix vraiment axé sur les kills puisqu'il passe très peu de temps dans le point. Mais pour le moment, ça paye hein, pour lui et son équipe. Bientôt 100 points d'avance maintenant. Ça commence vraiment à être une boucherie. Il va falloir que les Evenings se ressaisissent. Et le P5 est peut-être justement de bon augure maintenant pour leur permettre de revenir tout doucement au score. Puenta là qui a failli faire le double, ça ne passera pas. Gros bad spawn du coup pour Overtime. Il y a que Cobra là qui est bien placé pour justement essayer de contester un petit peu l'entame de ce P5. Et il va tout simplement faire un kill et maintenant attendre pour le soutien justement qui va arriver dans quelques instants. Il attend simplement que ses coéquipiers arrivent. Il va faire un deuxième kill maintenant. Il va essayer peut-être de rentrer dans le point pour le break. Il va être à même pas 2 kills maintenant de débloquer les streaks puisqu'il vient de récupérer les 100 points de la récupération de la heal. Et du coup il y a Blunky juste au-dessus de sa tête. Il vient de tomber sous les balles de Puenta. Abusao aussi qui fait le boulot. Un break immédiat et super facilement géré, j'ai envie de dire, de la part d'Overtime qui n'ont pas laissé les Evenings marquer une seule seconde sur ce point. Ouais, vraiment, les Evenings qui mettent une énorme pression sur leur adversaire. Vraiment, ils sont. Les Overtime qui mettent une énorme pression sur les Evenings. Et du coup, les Evenings qui ont énormément de mal à revenir dans cette map. Ils ont même pas mis 50 points alors que les Overtime sont déjà à 170 points. Malheureusement, Cobra va tomber, il aura pas eu ses streaks. Mais c'est bien joué tout de même de la part des Evenings. Ils vont prendre encore une fois les 20 derniers points, les points poubelles. On n'est même pas sûr qu'il les ait. Très bon kill de Cobra à la grenade. Un bon, énorme kill de Cobra. Quel shoot radical au niveau de la tête. Et ce P1 qui va déjà être décisif, parce que si Evenings ne réagit pas et ne prend pas au moins une quarantaine de points sur les 50 possibles dans ce P1, ça risque d'être déjà condition de victoire pour les Overtime. Ouais, effectivement, les Overtime aussi, les 4 joueurs voilà, qui font partie des meilleurs joueurs de la scène amateur, un petit peu à l'image des Red Wards. C'est des joueurs qui sont là depuis assez longtemps, principalement Puenta évidemment et Reflex hein, qui sont là depuis très longtemps. Abusa et Cobra qui sont révélés un petit peu plus tard. En l'occurrence, voilà, Cobra, lui, pour vous dire, il a commencé la compétition sur MW3. C'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps à apparaître sur la scène, mais au final, même sur les jeux, il était présent aussi sur les jeux à Jetpack, il s'en sortait plutôt bien. Et d'ailleurs, il fait partie des prétendants parce que forcément, on le sait, un Riska qui va partir chez A Band Controllers, forcément, il va être remplacé chez Red Ward puisque Zach, Melko et Hydra ne seront pas majeurs en même temps que Riska, donc eux vont rester justement dans l'équipe moins de 18. Et forcément, il faudra quelqu'un pour remplacer, Riska. Et effectivement, certains joueurs d'Overtime font peut-être partie des plus gros prétendants, j'ai envie de dire, hein, ouais. pour pallier l'absence de Riska chez Red War, parce que forcément, ça reste sûrement les meilleurs joueurs. C'est le groupe un petit peu de meilleurs joueurs de cette scène et ils sont juste derrière Red War en termes de niveau cette saison collectif. Après, individuellement parlant, voilà, là, ils le prouvent tous. Ça reste 4 très bons joueurs individuels et là, ils sont en train vraiment de ne faire qu'une bouchée des Evenings. 217 à 38, c'est un score de premier tour. De premier tour winner plutôt que de demi-finale loser, mais là j'ai l'impression que les Evenings sont juste impuissants face au Overtime. Ouais, tout à fait, hein. C'est vraiment un sweep qui est en train de se passer. Overtime, ils sont très 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 bien. En tant que je vous l'avais annoncé, Overtime qui est une équipe très solide sur les points stratégiques, et Abouza qui nous fait une énorme game à l'image aussi de Puenta qui passe, tu l'avais dit, un très peu de temps sur les points, mais qui est un énorme slay à l'image encore de cette double où il met un coup de cross et un kill. Reflex qui va prendre la moins 4 et les joueurs des Evenings qui sont totalement dépassés par les événements et par Overtime qui sont largement meilleurs. On le voit, hein, le niveau de l'équipe est homogène. Tous à au moins 20 kills quasiment, et les Evenings qui n'ont à peine que 11, 14 et 17 kills respectivement sur le scoreboard. Donc c'est terminé et Overtime qui s'impose 250 à 40. C'est énorme ce qui vient de se passer. Ouais, ça doit être une des plus grosses victoires du week-end en points stratégiques, je pense, du moins sur le stream, ouais, je crois. C'est sûr. Voilà, c'est 250-40. Ça fait quand même très très mal. Là, je pense que ça doit mettre un sacré coup au moral des Evenings qui pourtant sortent d'une belle victoire contre les Plaza. C'est vrai que c'était pas forcément non plus attendu parce que. Voilà, les Plaza qui tombaient des demi-finales winner bracket de leur côté, les Overtime aussi, mais du coup voilà, eux ils ont réussi à remporter justement leur premier match de loser. Ils ont enchaîné derrière, ils ont joué contre qui? Ils ont joué contre l'équipe de Wani, etc. Overtime, hein, c'est ça. Ils se sont imposés 3-1 je crois. Voilà, et en face du coup les Evenings qui de leur côté ont gagné contre les Plaza 3-0. Ouais, c'est ça, hein. Et du coup bah voilà, forcément c'est un petit peu le
C'est un petit peu le choc, j'ai envie de dire. Maintenant, on s'attendait quand même à quelque chose d'un peu plus serré. Overtime partait favori, on l'a dit. Ouais. Là, voilà, après ce point stratégique, il montre un énorme visage. Hein, ouais, c'est vrai, un énorme visage de la part des Overtime qui n'ont laissé aucune chance à leur adversaire réellement. C'était bien joué. Puenta qui a montré encore une fois, et tu as raison, hein, qui faisait partie des meilleurs joueurs de la scène amateur. Lui, mais pas seulement, avec son ami Cobra aussi. Et on verra lequel d'entre ces très très bons joueurs ira prendre la place de Riska qui bientôt passera sur la scène professionnelle. En tout cas, on va partir sur une SND sur la map, si je me rappelle bien, Arden Forest. Donc on est. Quel tricheur, il a dit si je me rappelle bien, il a regardé l'écran, il a vu Arden Forest, il a dit Arden Forest. pas à nous. Ouais, pas à Pyro, impossible. Allez, donc on va repartir sur Arden Forest, on va voir ce que ça va donner sur la SND. C'est pas leur meilleur mode de jeu, les Overtime, ouais, on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que justement, c'est un petit peu le point d'interrogation du BO, on va dire. On sait pas trop comment Overtime va réussir à rentrer dans cette SND. C'est vrai que c'est un de leurs moins bons modes de jeu. Et justement, moi j'ai parlé un petit peu avec justement des représentants de chez Overtime. Mince, j'arrive pas à lancer. C'est bon. J'arrive pas à lancer. C'est bon, c'est lancé. Hein. Ok. Du coup, j'ai parlé un petit peu avec des gens qui travaillent chez Overtime qui sont sur place. Et voilà, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de CTF. On me disait que c'est de la CTF, c'était justement leur mode de jeu un petit peu faiblard. Justement, je parlais avec eux pendant qu'ils jouaient contre Wani, etc. Et c'est vrai qu'on m'a dit, voilà, on se fait pas trop de soucis en HP. Ils l'ont prouvé sur ce BO. En SND, CTF, surtout en CTF, c'est plus compliqué. Après, voilà, là, c'est contre une équipe qui reste largement à leur portée. C'est Evenings. Maintenant, voilà, Overtime, techniquement, c'est un statut de top 2 sur cet événement. Ils sont juste derrière Red World, même s'il y a quand même une petite différence de niveau qui se fait ressentir. Ça devrait, sur le papier, être le deuxième de l'événement. Logiquement, ils devraient gagner ce match. Derrière, ils vont avoir un match assez intéressant contre Reveal qui va suivre. Faut relancer. Ok. On va juste cut la carte pour la relancer. Mais voilà, globalement, Overtime, qui est gros favori, qui a remporté l'HP avec la manière et qui doit faire pareil maintenant sur la SND. Ouais, exactement, donc on va voir ce que ça va donner. Je reste quand même confiant, c'est vrai que Evenings, ils ont montré très peu d'adversité là face à Overtime, donc ça risque d'être compliqué s'ils montrent pas un meilleur visage, un plus beau visage face aux joueurs de Overtime, notamment Puenta. Après, Puenta, c'est un excellent joueur qui était aussi passé à côté de la SND contre Red World, pourtant il avait des occasions de bien faire. Je pense que c'était vraiment... moi je pense que ça peut être intéressant de voir Overtime remonter un petit peu dans ce winner et aller dans la grande finale, tout simplement parce que notre ami Puenta était un petit peu passé à côté de ses games et de son BO, et là je pense qu'il peut largement se rattraper et qu'Overtime pourrait vraiment poser des problèmes à Red World, au moins arracher une map, en tout cas on l'espère, mon cher Pyro. En tout cas, on est parti SND sur Arden Forest. Ouais, SND Arden Forest, cette fois c'est la bonne du coup, entre Evenings et Overtime. C'est parti donc pour la deuxième carte de ce Best of 5, et du coup voilà, encore une fois on s'attend à ce que Overtime parvienne à faire le break, mais ça reste une SND. Hein. C'est pas le mode de jeu, on va dire, où on sait d'avance qui va s'imposer, contrairement au point stratégique où c'est vrai qu'on voyait vraiment les Overtime favoris. Là, on est sur un mode de jeu bien plus stratégique qui va casser un petit peu le rythme, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, suite à l'HP. Et ça va peut-être permettre aussi aux Evenings de se remettre un petit peu en question, parce que c'est vrai que l'HP a été un score très très fleuve, on le rappelle, 250-40 pour l'équipe Overtime. Voilà, ça met un petit coup au moral peut-être. Du coup, voilà, on va partir tout de suite sur cette SND. Première manche, et ce sont les Evenings qui doivent attaquer. Ouais, les Evenings doivent attaquer. Allez, on est parti maintenant avec Nezia qui est passé dans le middle. Bien joué. Oh, et tout de suite, triple kill là de la part des Evenings. Et ça va poser la bombe immédiatement. Puenta se retrouve du coup en situation de 1v4. Allez, Puenta, quel sniper. Et qui va essayer ici de prendre le premier kill, ça ne passera pas. Oh, dommage. C'est pas passé à grand chose ici, voilà. En tout cas, la première manche sera vraisemblablement remportée par les Evenings. Et du coup, voilà, ça va faire un 0. En tout cas, grosse opération là sur cette attaque. Tout de suite, on vient capitaliser un petit peu sur eh bien, l'opportunité de prendre le lead, et c'est fait du coup. Bon, du moins 15 secondes, c'est pas fait directement, mais voilà, il reste 10 secondes. Puenta qui est en V4, il pourra absolument rien faire ici. Si ce n'est peut-être essayer de tuer éventuellement le poseur. Et là, c'est très bien fait ce que font les Evenings. Ils vont tous partir pour en fait forcer Puenta à se rapprocher du BP. Il va pas aller les chercher, mais du coup, moins la bombe va exploser. Et du coup, le joueur qui a posé, étant resté en vie, va pouvoir s'imposer tranquillement et rapprocher sur toutes ses score streaks.
Ouais, allez, 1-0 pour les Evenings. Et on espère maintenant que les Evenings vont continuer sur cette série un petit peu. Ça apporterait un petit peu de piment à SBO. Pour l'instant, les Evenings qui n'ont pas montré grand-chose sur le point stratégique et qui déjà réagissent sur cette première manche. Allez, un rush entamé par Nezia. Et Zek, maintenant, le gros jump shot qui n'est pas passé de la barre de Nezia. Il force un petit peu le kill. Attention. Ça va passer grâce à Abouza et Puenta qui va tomber déjà cette situation de 3-3. Attention, réflexe, les joueurs d'Overtime qui ont une très bonne position dans ce bois. Ça va être très dur à retake, surtout que Abouza doit être en train de poser cette bombe et les joueurs d'Overtime qui sont tous positionnés dans le bois. Le numéro 6, c'est Cobra qui prend le back sûrement avec une barre. On va voir ce que ça va donner maintenant entre Abouza et son duel direct qui va être sûrement Satsuki derrière. Voilà, exactement. Allez, attention, Zek qui prend déjà moins de kills. Abouza qui va être en situation de 1v3. Il va prendre le deuxième. Peut-être non, il a pas été. Oh, attention, attention. Est-ce qu'il va venir le chercher? Ah, il va tomber. Ce sera 1 partout pour les. Non, pardon, ce sera 2-0 ouais. Pardon, pour les Evenings. Parce que c'est vrai, ils avaient mis le premier round. Magnifique round de la part des Evenings. La retake a été très bien jouée. La fumigène avait pourtant servi au overtime pour se placer dans ce wood. Mais malheureusement, ça ne passera pas. 2-0 pour les Evenings et c'est bien joué. Ouais, 2-0 et surtout des scores stricts là qui viennent d'être débloqués, je crois, à côté Evenings en 2 rounds seulement. Gros travail là de la part de Zek. Et justement, voilà, on peut le voir. Alors, je sais pas si c'est lui qui est en série. Enfin, du moins, je sais pas si c'est lui qui a ses streaks ou pas. C'est soit Zek, soit Nezia. On va voir ça dans quelques instants. On va passer sur leur POV pour voir ça tout de suite. C'est Nezia. Et justement, c'est grâce au round précédent, enfin au premier round, où on l'a dit, ils sont tous partis du BP pour forcer ouais. la bombe à exploser. Ça a donné beaucoup de points à Nezia. Et du coup, bah, il en a profité. Regardez, il a un seul kill. Et pourtant, il a déjà bombe à zone. Et derrière, il a le pilote. Est-ce que la bombe va faire un kill? Non, ça ne passera pas. Donc, un streak un peu waste là, malheureusement, dans ce début de manche. En tout cas, situation. De 4v3 avantage Evenix et ils vont pouvoir poser de l'autre côté, donc pas de soucis. Ouais, bien joué. Dommage, peut-être qu'il ait pris le lance-flamme dans ce setup ouais. De score streak. Ce sera peut-être pas très utile, mais en tout cas, c'est bien joué de sa part, vu que du coup, d'avoir posé la bombe lui a suffi à utiliser, à remporter son dernier score streak. C'est peut-être pour ça qu'il a waste un petit peu voilà, cette bombe à zone. En tout cas, dommage. 1v3 maintenant à négocier pour réflexe. Ça risque d'être très compliqué. Et pour l'instant, les Evenings sont impeccables sur cette SND. Il n'y a rien à dire collectivement. Ils sont bien en place. Et encore un kill de fait de la part des Evenings. 3-0. Et Overtime qui ne trouve pas de solution en SND, en tout cas on s'y attendait un petit peu, ils sont pas très à l'aise en SND. Effectivement, voilà, 3-0 maintenant, ça commence à devenir compliqué. Zek qui fait une grosse carte, Nezia aussi hein, qui est toujours pas tombé. 3 kills, plus 2 poses de bombe, plus une diffuse. Voilà, il fait un super boulot dans ses 3 premiers rounds et il est clairement acteur de la domination des Evenings dans cette recherche de destruction à Arden Forest. Pour le moment, on va partir sur la 4ème manche maintenant, les Overtime qui sont vraiment en difficulté. Bah pour remporter tout simplement cette map, on va voir si ça payera ou pas. Abusa qui va essayer d'avancer maintenant côté gauche, ça va être compliqué, très compliqué pour Abusa et les Overtime là, de revenir au score. Attention par contre là, les smokes qui vont leur permettre d'avancer, mais 2 kills sont faits de la part des Evenings. Abusa qui a réussi à se profiler et Zek qui va le détruire complètement ici, c'est bien fait. Puenta qui se retrouve tout seul et qui va tomber aussi 4-0 maintenant pour les Evenings. Qui sont en train de déjouer tous les pronostics dans cette SND. Exactement, et round d'éclair, vraiment, ils ont essayé de rusher à travers les smokes et très très attentifs les joueurs des Evenings qui ont pris tous les kills 4-0. Je pense que les Overtime ils prennent une petite gifle là en R&D. Ils s'attendaient pas à autant d'adversité après avoir fait un point stratégique à sens unique tout simplement. Et au final ça ne passe pas 4-0 côté Overtime, il va falloir trouver une solution et vite. Effectivement, 4-0, 4-0 ça va être compliqué là pour les Overtime comme tu le dis dans cette SND. Nezia du coup qui a la bombe. Nezia qui a la bombe et effectivement là on est un peu stack au niveau du bunker dans ce début de round. C'est peut-être volontaire, on va passer un petit peu sur leur POV. Zek qui va prendre l'open kill sur Puenta justement. Et 6ème kill déjà pour Zek. Nezia qui est toujours pas tombé, qui va d'ailleurs envoyer son pilote pour essayer de prendre un nouveau kill ici. Les joueurs de Overtime sont à couvert, pas d'inquiétude pour ce score streak qui sera évité sans problème. Par contre on met beaucoup de temps là à essayer d'avancer sur le BP. Déjà 30 secondes de jeu, on est à peine dépasser le milieu de la carte et du coup c'est Abusa là qui fait un gros travail de défense au niveau de ce BP. Ouais, c'est Abusa qui vient depuis tout à l'heure, il est wood, il empêche le rush grotte, il empêche aussi, il prend l'information. Voilà, là il a annoncé normalement une rotation alors que là il a un contact et énorme kill de Abusa qui fait parler le gunfight. Il avait encore un trade à prendre sur Nezia mais Nezia ne prendra pas le kill. En tout cas c'est bien joué de la part de Abusa là depuis tout à l'heure, il est vraiment une position stratégique, il bloque le rush droite grotte, en plus il prend l'information middle, il est vraiment clé dans ce round pour l'instant le jeune Abusa. Alors que là on a Nezia et Satsuki qui sont en train de se diriger lentement mais sûrement vers le BPB. C'est Reflex qui est censé les accueillir, il va nous faire un premier kill à la barre. Reflex maintenant qui va prendre peut-être le deuxième kill, il va avoir un duel. Oh là là, il va tomber. Et finalement ce sera un gros travail de Nezia
et aussi du réflexe qui va permettre tout simplement Overtime d'obtenir leur première ronde en SND. Est-ce que la machine est enclenchée, Pyro? Je ne sais pas, en tout cas 4-1. Ouais, 4-1, est-ce que ça va être justement l'élément déclencheur un petit peu comme tu le disais, ou est-ce qu'au contraire ce sera simplement un petit sursaut d'orgueil le temps d'une manche? J'espère que ça va durer pour l'Overtime tout simplement. Maintenant, voilà, on a vu des evenings quand même relativement solides depuis le début de cette carte. Là, les Overtime, en plus de ça, sont en attaque. On sait que voilà, c'est pas forcément évident. Ils vont primer encore une phase BP. Je crois qu'on a plus de score streak, du moins plus beaucoup hein, du côté des evenings. Là, on a dû faire un petit peu le tour. Il reste un lance-flamme qui, honnêtement, peut être difficilement utilisé quand même sur Arden Forest. On sait c'est une map très ouverte. Satsuki, là, qui a mérité de marqueur, je crois, avec ce sniper. Et c'est Nezia qui prendra le meilleur sur Reflex dès le début de cette manche. Blunky qui va tomber sur les balles de Poeta pour le trade. Cobra qui va tomber à son tour sur les balles de Zeke. Situation de 3v2 à l'avantage des Evenings qui ont maintenant 2 kills à faire pour s'offrir 5 balles de manche. Ouais, exactement. Il va falloir le faire côté Evenings. Là, il va falloir assurer. Ils sont en situation de 3v2. C'est à eux de protéger les bombes. C'est pas la situation la plus complexe non plus. Abouzak est dans ce côté droit. Et en plus, Zeke qui prend le kill. Ça va être très compliqué pour Abouza maintenant de faire le 1v4, ça ne passera pas. 5-1 pour les Evenings. Et attention côté Overtime, parce que je pense que ça se dirige tout droit vers un 1 partout dans ce BO. Et ouais, effectivement, ça sent très bon l'un partout, comme tu le dis. Voilà, il y a quand même 4 manches d'écart, 5 balles de manche maintenant pour les Evenings, histoire d'égaliser un partout dans ce best of 5. C'est vrai que l'HP pourtant a été une formalité. La SND qui prend exactement la même tournure, mais pour l'équipe adverse cette fois. Et du coup, voilà, même. Regardez les scores quand même, c'est assez représentatif hein, quand on voit la map de Zeke, de Nezia notamment là, qui font une très très grosse carte. On comprend un petit peu la Bérésina côté Overtime, du moins pour cette SND. Du coup Nezia là, qui va essayer de se rapprocher du BP, c'est lui qui a la bombe, donc il va pouvoir justement se mettre en bonne position pour poser, voilà qui est fait à l'instant. Et les Overtime qui sont tous assez loin, on va essayer de rejoindre le BP par le fond de la carte. Attention à Nezia là, qui veut se faire surprendre dans le dos. Il va simplement attendre le lance-flamme ici, et il a un joueur qui garde son crossfire dans le bac. C'est plutôt bien fait de la part de Blunky. Ouais. Normalement il devrait être assez tranquille sur le BP. Du coup Zeke qui va prendre le premier kill, Satsuki qui enchaîne sur le deuxième. Il va rester deux joueurs, ils sont tous les deux en face de Blunky. Il est en train de se faire push sur la gauche, il a pas vu Poeta passer. Situation de 2v3 du coup en défaveur de Overtime maintenant, qui doivent retake ce BP, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, on a du stuff, on a tout ce qu'il faut pour réagir là, le lance-flamme qui passe, du coup ça fait forcément un trade. Avec ce lance-flamme, 1 contre 2, va falloir prendre le duel sur réflexe maintenant. Et c'est bien joué de la part des Evenings. 6-1, c'est un sweep dans cette SND. Ça fait 1 partout dans ce BO, mon cher Pyro. Effectivement, la SND, hein, comme on le disait, le mode où on sait pas vraiment ce qui peut se passer. En l'occurrence, ici, ce sont les Overtime qui se sont fait un petit peu surprendre après un HP largement remporté. La SND 6-1, voilà un score très large aussi pour le moment. Ce BO est complètement indécis. Alors, évidemment, en cas de victoire sur la CTF pour les Overtime, ça pourrait mettre une réelle option sur la victoire pour eux, parce que voilà, on sait c'est une grosse grosse équipe de points stratégiques. Après voilà, en cas de victoire pour les Evenings, tout restera à faire pour Overtime, parce que même en cas d'accrochage sur un HP et qu'ils arrivent à égaliser à deux partout, la dernière SND, là on l'a vu, elle a tourné largement à l'avantage des Evenings. Ça pourrait se répéter sur une Game 5. Ouais, exactement, il va falloir faire attention. Je pense que là il faut vraiment qu'ils se mettent en condition de victoire, les joueurs d'Overtime, parce que s'ils perdent cette CTF, ça va être très compliqué de jouer cette cinquième map qui ne va être autre que la SND sur la Dundox, évidemment. Je le savais, la cinquième map. Map qui sera la SND sur London Docks. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Il va falloir pour Evenings essayer d'arracher cette CTF. Ça mettrait pour eux une condition de victoire bien plus importante. Donc en fait, on arrive vraiment sur une map clé. Là, je pense, Pyro. C'est ça. Et de toute façon, on verra que deux maps hein, globalement dans ce best of 5. C'est London, Arden, London, Arden, London. Voilà. Tout simplement, c'est vrai que peu de variété du coup dans ce best of 5. On va partir du coup sur la CTF. Est-ce que les joueurs sont prêts, Jérém? Est-ce que je peux lancer, Jérém? C'est bon? Pas de soucis. Voilà, tout simplement. Donc on va partir sur cette CTF, on va voir ce qui va se passer. On l'a dit, London Docks, une map où en général il peut y avoir beaucoup de flags marquées. On a une belle CTF tout à l'heure justement avec les reveals dessus et les plazas. On va voir du coup cette fois-ci elle prendra la même tournure. En tout cas, voilà, encore une fois, mode à objectif, forcément on voit les Overtime favoris. En cas de victoire, ce sera une réelle option qui sera mise pour eux sur ce BO, puisque derrière, remporter un HP ne devrait être qu'une formalité au vu du premier HP qu'ils nous ont proposé. En tout cas, voilà, apparemment la game peut être lancée, c'est parfait. On va partir donc sur cette troisième carte. La carte un petit peu qui pour moi va être le tournant du match, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure. Je pense que cette carte, elle va avoir une importance capitale, parce que si Overtime venait gagner, je pense que la stratégie qui vont littéralement se faire stomp les joueurs de chez Evenings. Donc il va falloir réellement mettre une option sur la victoire de cette CTF. Donc t'as raison, je suis d'accord avec toi à 100%. Ça va déjà être une map clé. Effectivement,
C'était London Docks. On va voir ça dans quelques instants. En tout cas, eh bien, c'est parti. D'ici une petite vingtaine de secondes, on va démarrer hein, sur cette troisième map. Moi, j'ai hâte. Je te propose peut-être de commencer bah, justement sur du listening. C'est vrai qu'on n'en a pas fait encore lors de ce match. Peut-être directement voilà, se mettre sur l'overtime. Ils viennent de perdre assez largement la SND. Donc, on va voir comment ils vont se remettre d'aplomb pour cette CTF. Map. Je vais à droite. Tu vas à droite au start ? Ouais. Ok, je joue la tempo. En fait, je parie que du côté. Ok. De prendre le kill. Ouais. Et un mid et deux à gauche, c'est ça ? Ouais, moi je vais à gauche. Ok. Winston, B2, comment vous êtes deux R, c'est. Ouais, après je start. Bah, super. Un pointeur au back mid. Je vais après. Il y en a. Satsuki, Satsuki. Escavin. Il est Escavin. Follow-moi, Penta. Follow-moi. Non, il est Escavin, il est Escavin. Follow-moi, Penta. Bon. Il est là. Ah, il est weak, Satsuki, Satsuki weak à gauche. Il a pris une balle de bas. Non, bien joué. Satsuki une aire à gauche. Ouais, faut. J'ai une SMG aussi, une SMG. Vas-y, je reprends les SMG. Putain. Il y en a allongé dans le 20. Alan, t'es tout seul. Reback Alan, super. Sur moi une SMG, sur moi une SMG. Il est doc, il y a un mec doc. Garde chez nous à but. Hein. Garde chez nous à but. Énorme défense, reste chez nous à but. C'est important. T'as quoi t'as... Ok. Vous attends, venez avec c'est moi, bon. Venez, que des revenge, viens, c'est bon, fire. J'arrive. C'est bon, tu peux, exact, il a raison, Cobra. Ah, joue à deux. Sans moi. Fais une revenge tout de suite, voilà, super, voilà, c'est comme ça qu'on joue. Putain. Et là, tu reback un petit peu. Ah, B2, B2, Satsuki était côté Chaudry. P2. Nice, énorme, Alan. Un P1, je crois qu'il est parti cut. Voilà, super, il est cut. Non, il y en a un cut, je suis pas fou. Il y en a un cut. Satsuki fait quoi? Il est mort, Satsuki. Il est cut, Blunky. Ouais, il est cut. Lâche-le. Je tiens pas. Ouais, je suis lui low. Il est cut. Escavin, il va. Ouais, super. Cut P2, j'ai battu. Laissez-le cut, il va donner les spawns. Il va donner les spawns souterrains. Moi 3. Là, c'était le mec avec P2. Il a donné les spawns souterrains. Ah non, c'est avec la voiture. Il a pêché le mec P2. Ok. Gardez à deux le back. Allez l'aider. Je mets, j'ai flag. Si je mets, j'ai DSS. Super, magnifique. Pointa a pété les spawns à droite. Devant. Les gars, Pointa a laissé les spawns à droite. Pointa a laissé les. Tu vas les violer, Cobra, tu vas les violer. Il est sûrement descendu SK. Y'en a qui arrivent cut tout de suite. C'est pas grave, vous rebackez, vous faites une ligne. Un qui va P5. Allez vite à gauche. Encore, Blinky, Nasso. C'est une barre. Ah, t'as. Moi aussi. Justin là, par contre, c'est eux. À gauche, mort. Encore un fire. J'arrive. Normalement, c'est le dernier fire. Mais qu'est-ce qu'il fait là, mais putain de triso, va. Va toucher, sûr. Nice. Ton fire, reste en vie, gros. J'ai pas entendu. Il va un tir de mortier. Il est stun. Il est dans le fire. Je vais un tir de mortier middle. Il est dans le fire. À gauche, il pêche. Deux dans le fire. Les deux derniers. Il est passé. Dommage. Rebacker. On a le bad side, les gars, vous avez oublié ça. On avait vu un bon premier flag marqué là de la part des Overtime. C'est dommage, les Evenings qui viennent à l'instant de recoller au score. Pourtant, un streak a été envoyé de la part de Reflex. Un Reflex qui a encore évidemment Bombazon et également son pilote chasseur. Mais malheureusement, ça n'aura pas suffi. Il a essayé d'envoyer son barrage de mortier au niveau du mid-map. Et on a essayé de stack le fire côté Evenings. C'est passé, on a score par le biais Denesia, ici c'est Reflex qui a failli faire un gros double kill, ça ne passera pas. Abuzak va se retrouver seul maintenant pour défendre son drapeau. Ouais, Abuzak qui va être le dernier rempart un petit peu de cette équipe, attention parce que là ça va toucher le flag et dès que ça va toucher, il va falloir réagir vite et c'est bien joué. Ah, il va prendre le kill, par contre il va voir le trade est parfait et les overtime qui vont garder leur flag. Ouais, t'as raison, hein, c'est vraiment dommage, hein. Il y a un partout, mais c'est vrai que ça aurait pu être bien différent si le streak avait touché normalement au middle avec ce mortier. Malheureusement, il y a eu un bad timing dans le lancement du streak. Allez, c'est pas grave, maintenant Cobra qui était en 0-5 et qui est déjà en 4-8 qui remonte petit à petit dans cette map. Et pour l'instant, ça fait toujours 1-1. Et là, on va suivre un petit peu les mouvements de Cobra. Les Cobra qui va prendre le premier kill à gauche, là c'est bien joué. Il va aller dans ce middle, il va rester fire. Le bon contrôle là avec Reflex, il va faire un très bon kill lui aussi. Qui a encore, si c'est qu'on le rappelle, un énorme double kill là encore de Reflex qui va pouvoir se placer. Et Bomba Zone, du coup, il va créer la supériorité numérique pour ses mates. Attention, il va essayer de prendre une double. Oh, elle passe pas, dommage. C'est Cobra qui a fait le kill. Ouais, c'est Cobra qui a fait le kill.
coup, c'est bien parce que le streak a permis de prendre l'information sur les points de réapparition des joueurs Evenings. Et du coup, si ce qu'il est fait, ça devrait sentir très bon. Oui, c'est fait. La part de Cobra qui fait un monstrueux double kill qui va débloquer des streaks là-dessus. Attention, il y a un joueur au niveau du cut bière et malheureusement, il n'a pas été assez vigilant là-dessus. Il s'en doutait. En tout cas, la bonne opération quand même faite de la part d'Overtime puisque malgré la sortie flag ratée, c'est quand même deux streaks qui sont débloqués de la part des Overtime. Et ça, on le sait, pour le deuxième side et les éventuelles prolongations extra time, ça peut être décisif. Donc en tout cas, bon travail voilà, de la part d'Overtime, une offensive qui a failli coûter cher aux Evenings là. Cobra et Puenta encore une fois là qui font deux bons kills. Puenta d'ailleurs qui a sorti le drapeau. Oh, énorme. Attention, il faut faire le boulot. Il faut faire le boulot côté Abusa maintenant. Ça va être lui justement de faire le taf. La stun qui va passer, c'est très bien fait. Il va faire le kill. Est-ce que le drapeau va être ramené? Non. Puenta qui s'est fait justement éliminer. Le drapeau qui a été return sans problème. Pas d'extra time du coup pour cette première manche. Ouais. Un partout. Mais gros avantage quand même hein, pour les overtime qui ont du coup, si je dis pas de bêtises, deux pilotes chasseurs et une bombe à zone en poche puisque Reflex a utilisé la sienne. Ouais, exactement. Hein, Cobra qui a fait lui aussi, je vous rappelle, hein, il était en 0-5, il est remonté à 9-10. Hein, il l'avait dit, vous l'avez entendu dans le sonin, son coach qui lui a dit qu'il allait défoncer tout le monde et au final il est remonté. Bien joué en tout cas de la part de Cobra qui a fait un énorme travail, qui a remonté dans cette map et du coup 9-10 pour lui, 9 kills. En tout cas, c'est assez homogène hein, en termes de kills un peu partout, sauf Puenta qui est un petit peu en dessous en termes de kills. Sinon, ils sont tous un petit peu au même niveau. Allez, on est reparti avec Puenta maintenant qui a. En train de prendre sa longue à gauche là avec ce numéro 8, voilà exactement un Puenta avec sa STG44 qui va aller maintenant sur le côté gauche, il va prendre la longue, il va essayer d'avoir un positionnement qui va pouvoir aider ses coéquipiers, il va aller au niveau du cut, non, il va préférer aller au niveau des spawns, la réflexe maintenant qui va être contact dans ce fire, il va avoir un kill important de la part de réflexe qui va tomber sous les balles de Blunky et pour l'instant c'est assez serré dans ce début de deuxième mi-temps. Effectivement, pour un échange de kills comme on peut le voir, attention ici un kill important à faire de la part de Puenta qui s'est fait un petit peu peur, qui a été surpris par le fait que le joueur adverse soit allongé. Abusa ici qui va essayer peut-être d'aller justement chercher à son tour le drapeau adverse et malheureusement ici il va se faire éliminer. Reflex du coup qui va repartir, Cobra au niveau du middle de son côté. On a voilà 3 scores streaks pour le moment. On est assez tranquille. Est-ce que Nezir on a débloqué? Je ne sais pas, on va vérifier ça. Satsuki de son côté qui justement est au niveau du fire ici et Blunky au niveau du côté gauche. Donc pour le moment. Voilà, on est un peu plus statique quand même globalement. Nezir qui a 2 scores streaks aussi, c'est vrai qu'on n'avait pas cette information, donc ça peut aussi faire la différence. Forcément avec le flag score, ça lui a rapporté quand même pas mal de points. Attention parce que là il va se retrouver seul, il va décider d'aller dans le camp inverse. Je pense qu'il a fait le bon choix, sauf qu'il y a un joueur qui est très bien placé en défense, c'est Cobra. Et c'est très intelligent ce que fait justement l'équipe Overtime ici, c'est qu'ils envoient justement 3 joueurs en attaque. Là, il a tellement bien joué Puenta là pour éviter le score streak, je pense que c'était complètement volontaire de sa part. Ça lui permet de scorer. On envoie 3 joueurs un petit peu en électron libre sur la carte. On a laissé justement Cobra tout au fond de la map. Et on voit que du coup sur ce coup là le joueur Evenings a été surpris hein, de voir un joueur en fond de map. Il s'y attendait pas du tout. Et du coup ça permet Overtime non seulement de mener 2-1, en plus de faire gâcher un streak au Evenings. Puenta du coup qui lui se crée une petite série, c'est que du bon pour Overtime là pour le moment et en plus on va ressortir le drapeau. Ah, exactement, t'as bien raison de le souligner, Overtime qui est en train de très bien gérer la situation, notamment avec stratégie avec Cobra en fond de map. Puenta qui en plus va commencer à jouer un peu plus safe, lui qui va bientôt avoir ses streaks et on est beaucoup, ça commence à faire beaucoup de streaks quand même côté Overtime, notamment avec cet artilleur déjà qui est prêt côté, du côté de notre ami Reflex qui en plus a le flag, allez Reflex qui va pouvoir aller scorer peut-être. Il va attendre le soutien, Il a raison, il va attendre que ses potes le bait un petit peu pour qu'il aille le poser et c'est bon, c'est réglé. 3-1 et Overtime qui break. C'est tellement bien joué ça aussi hein, de la part d'Overtime, on l'a vu jusqu'au dernier moment. Reflex qui a pris justement vraiment soin de faire attention dans tous ses déplacements parce qu'il y a eu des streaks qui ont été lancés encore une fois côté Evenings. Donc là côté Evenings on est à court de score streak alors que côté Overtime on vient de mettre les bouchées doubles. Cobra qui en a, Reflex qui en a, Puenta qui est full streak aussi. Il y a Kabusa qui n'a pas de score streak et je pense qu'il en a pas forcément besoin parce que là vu toute la masse qu'il y a dans les poches des Overtime, on ne devrait pas se faire trop de soucis pour la fin de la carte. Cobra encore une fois dans cette position défensive qui va réussir à faire ce kill. Cobra qui a 13 kills quand même sur une position quasiment de camp flag, j'ai envie de dire, c'est très bien fait de sa part. Là justement il a volontairement pas étendu le drapeau pour donner envie un petit peu au Evenings de venir le chercher. Ça lui a permis de faire un kill, il va enchaîner encore une fois sur un kill défensif. Il va enchaîner une fois sur un kill. Cobra série 4 monstrueux là sur cette CTF qui permet tout simplement à son équipe après un très mauvais start pourtant de son côté et bien de se solidifier un petit peu défensivement et surtout de s'assurer quasiment le 2-1 dans ce best of 5. Ouais, énorme ce qu'il nous fait Cobra là depuis quelques instants. Vraiment, il a vraiment un shoot radical avec sa barre. Il a eu un bad timing là pour voir le joueur et encore un kill série de 5. Il anticipe un petit peu. Il a un joueur au niveau du cut, au niveau des barils. On va voir ce qu'il va nous faire encore. Est-ce qu'il va prendre un kill? Il a pris l'information qu'il a un mec là encore. Oh là là, série de 6, c'est incroyable. Et enfin, quelqu'un qui l'arrête. Il était en série nucléaire là, Cobra. Il était parti, personne ne pouvait l'arrêter. Et enfin, -3 pour Overtime et Evenings qui repart dans la contre-attaque. Attention, maintenant c'est Blunky qui
va essayer de venir faire la différence. Et Abusa et tous les joueurs de Overtime sont en défense. Ça va être très compliqué. Blunky qui va essayer de passer dans ce côté droit et dans ce tunnel pour peut-être faire la différence. Mais ça semble très compliqué pour les Vnix de revenir dans cette partie, mon cher Pyro. Je vois vraiment pas comment ils pourraient faire, comme tu le dis là-dessus. Ça paraît quasiment irréalisable, même surhumain, parce que là, voilà, il va pas rester beaucoup de temps. Il y a des streaks dans tous les sens côté Overtime. On est en train de les envoyer d'ailleurs. Reflex, voilà, qui va taunt un petit peu l'équipe adverse. Il peut se le permettre. Il a fait une très bonne carte 18-12 avec deux drapeaux marqués de son côté. Voilà, il va envoyer les derniers streaks pour essayer tout simplement, eh bien, peut-être d'aggraver un petit peu l'écart. Les joueurs qui sont en plus à découvert là côté Vikings, on va réussir à toucher à droite, à gauche, sans pour autant tuer qui que ce soit. En tout cas, le drapeau va encore une fois peut-être être sorti par Cobra ici. Qui sait pas passer à l'attaque. Avec un premier kill, mais pas le second en tout cas. Voilà, 3-1, ce sera peut-être le score final. Dans tous les cas, ce sera une victoire des Overtime sur cette CTF. Et ça va porter leur avance à une map maintenant. Ils reprennent le lead 2-1 dans ce best of 5. Et forcément, ça sent très bon parce qu'on arrive sur un mode de jeu qu'ils maîtrisent plutôt bien. Ils l'ont prouvé tout à l'heure en remportant la première carte 250-40. On va retourner du coup sur Arden Forest pour un deuxième point stratégique. Exactement, on va se retrouver sur Arden Forest, voir si le point stratégique prend une autre dimension que celui qu'on a pu voir tout à l'heure, même si Overtime avait totalement roulé sur son adversaire, notamment Puenta et Abusa qui avaient fait de très grosses performances. En tout cas, c'est terminé pour les joueurs de Evenings. C'est perdu et Overtime qui revient et ça fait 2 à 1 pour les joueurs de Overtime. Ouais, map compliquée pour Blunky et Zek, hein, 10-17 et 13-23. Ouais. Effectivement, ça n'a pas été évident pour eux. C'est vrai que de leur côté, Satsuki et Nezer ont fait de leur mieux. En face, voilà, c'est vrai que c'est Cobra hein, qui a commencé en 0-5, qui termine en 23-17 avec 3 returns, hein, ce qui est quand même assez énorme. Voilà, on peut souligner sa grosse, grosse perf. On a vu Reflex aussi en 21-12. Ouais, c'était un peu Reflex et Cobra contre Satsuki et Nezer, j'ai l'impression, dans cette map. En tout cas, on va pouvoir partir donc sur une quatrième carte, on l'a dit. On retourne sur Arden Forest du coup et on repartira sur le Nundog si besoin pour la Game 5. Ouais, et on va voir ce que ça va donner, c'est vrai. 6 matchs 5 il y aura peut-être, on verra. En tout cas pour l'instant toujours 2 à 1 pour les joueurs de Overtime. On va voir s'ils arrivent à plier le match. Normalement après le stomp qu'il y a eu dans cette première dans ce premier point stratégique, je pense que les joueurs de Overtime partent largement favoris, surtout sur cette map et dans ce mode de jeu. Il me semblait déjà que le point stratégique, le premier, était déjà il était sur la Nundogs, donc la Arden Forest, ça va être déjà un contrôle map un petit peu différent, mais normalement ils le maîtrisent parfaitement. En tout cas j'espère que ça va bien se passer pour les Overtime. On est parti, point stratégique sur Arden Forest. Ouais, ça peut clairement du coup être la dernière map hein, de ce best of 5, on l'a dit, parce que c'est un mode de jeu qui est, tu l'as dit, bien maîtrisé par cette équipe des Overtime qui a fait ses preuves sur le premier HP de cette rencontre et surtout sur l'ensemble de l'événement. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça reste leur meilleur mode de jeu, ils le disent eux-mêmes. Voilà, maintenant ils ont une vraie option pour remporter cette carte et ce match dans sa globalité, et ça leur permettra, on le rappelle, de s'assurer une troisième place, une place sur le podium, qui à mon avis ne serait pas encore à la hauteur de leurs attentes, parce que je pense qu'ils sont vraiment venus accrocher le top 1 ici. On l'a tous compris, le top 1 sera très dur à aller chercher parce qu'on a une équipe des Red World qui est plus qu'en forme. Donc forcément, il faudra peut-être se contenter d'un top 2. Mais pour ça, ça passe par déjà une première victoire face aux Evenings et surtout une victoire face aux Reveal sur le match suivant. Puisqu'on rappelle, hein, le vainqueur affrontera les Reveal pour tout simplement aller chercher une place en grande finale. Voilà, on a hâte d'y être. En tout cas, pour le moment, on est sur la quatrième carte de ce Best of 5. 2-1 pour Evenings face à Overtime, 250-40 sur l'HP, 6-1 pour l'Overtime sur la SND, 4-1 en CTF pour Evenings. Non, j'ai inversé. 250-40 pour Overtime sur l'HP, 6-1 en SND pour Evenings, 4-1 en CTF pour Overtime. Et c'est maintenant le moment de profiter de cette occasion pour mettre fin à ce best of 5. Ouais, on est parti. Maintenant, à 18h, on va prendre le point grotte pour les joueurs de Overtime. La dernière fois qu'on avait vu un point stratégique, oh là là, bien joué de la part de Sasuke. C'était avec les Red World qui avaient largement dominé. Et encore triple de Sasuke qui va en plus essayer d'aller sur le point, prendre peut-être les points de la capture. En tout cas, pour l'instant, les Evenings ont bien débuté. Même si l'Overtime récupère, c'est bien joué. Là, la smoke qui vient casser toutes les lignes des AR et ça permet d'avoir des duels uniquement au niveau des SMG dans la grotte. Et pour l'instant, c'est à faveur des Overtime qui sont passés légèrement devant, alors que là maintenant on va suivre Zek qui est très loin, très très loin du point. C'est plutôt Satsuki qui va être au contact maintenant sur ce EP. Il va mourir Blunky. Satsuki qui va devoir aller prendre le kill super de la part Satsuki qui avec sa SCG fait très très mal, et la couverture de Nezia et de Zek avec leur SMG. Du coup les derniers points seront pour Evenings. Ça va finir sur un 28-17 pour les Evenings. Si on va enchaîner tout sur le P2, il va falloir le retake hein. Ce P2 il va être très très dur à bouger. On a vu que Cobra déjà avait été exceptionnel sur le P2 hier. Le P2 c'est un endroit où c'est très très dur de
déloger les AR, notamment parce qu'au niveau des spawns, on est souvent en head glitch. Du coup, on va voir ce que ça va donner. On est parti sur ce P2 avec les overtime. Ouais, et puis il y a des gros head glitch aussi hein, sur le P2. Donc, forcément, quand les lignes sont prises en général, comme tu l'as dit, elles sont dures à déloger. Attention ici, on a vu Abusa mettre un énorme kill au niveau du minmap. Il enchaîne ici sur Satsuki. Poeta aussi qui fait son gros kill avant de tomber. Mais Reflex qui va trade son coéquipier. Encore une fois, voilà, c'est vrai que sur les trade kills, j'ai l'impression aussi, comme sur la CTF, de voir les overtime un petit peu au-dessus. Et voilà, ils vont prendre le lead dans cette carte. Attention, les 4 joueurs qui sont quasiment tous collés. Il va falloir faire le boulot côté overtime. Reflex qui essaie de garder le fantôme bien que mal. On va arriver par le mid, par le cut. On arrive de partout. Cobra qui fait double kill. Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner? Zeke qui va essayer de reprendre le contrôle du point avec Satsuki. C'est compliqué. Puenta qui prendra le meilleur avec ce pistolet automatique. Il ne restera qu'un seul joueur. C'était Zeke. Il est tombé lui aussi sous les balles de Puenta. Les 15 prochaines secondes qui reviendront donc à cette équipe des overtime. Et là, Reflex qui est déjà très bien placé sur la rotation, qui va faire gagner beaucoup de temps à son équipe et qui va surtout faire 2 kills. Ça risque de permettre au overtime de conserver les spawns. Et on l'a vu, ça y est, les Evenings qui ont eu un énorme bad spawn derrière justement le chalet pour essayer de revenir et faire toute la carte pour aller chercher ce point bunker. Ça va être compliqué, la Reflex qui va avoir déjà un duel important sur sa gauche et le point qui est contesté entre Abusa et Nezia. Ouais, exactement, Abusa et Nezia qui vont devoir avoir un duel mental et skill. Oh, bien joué de la part d'Abusa qui va rusher. C'est la moins 4 et les joueurs d'Evenix qui vont spawner très très loin. Et du coup, c'est les joueurs d'Overtime qui vont pouvoir prendre les points et Evenix qui va devoir peut-être oublier ce point parce que là, les joueurs de Overtime ils sont très très bien placés. Non, parce que Satsuki a fait un excellent kill. Du coup, ça va permettre aux joueurs d'Evenix de peut-être espérer venir prendre quelques points au grappri et de la contestation sur ce point bunker. En tout cas, pour l'instant, sur ce P3, ça s'est très bien passé, trop bien passé pour les joueurs de Overtime. Même s'ils étaient un petit peu en retard, la retake a été parfaite et ils sont déjà en avantage au niveau des points à avoir. Maintenant, le kill va être important et ça va être remporté finalement par Abusa. Ça va faire 95 à 30 et il va falloir enchaîner sur ce P4. En tout cas, pour l'instant, les Overtime sont bien meilleurs. Ouais, ils sont bien meilleurs. Encore une fois, c'est un HP qui commence exactement comme celui qui a commencé tout à l'heure sur London Docks, effectivement, 92 à 30 maintenant, à l'avantage du coup des Overtime. Les Evenings qui ont tout de même fait la rotation, mais attention, les streaks qui tombent et forcément ça va faire mal. Triple kill réalisé de la part des Overtime. Et c'est vrai que côté Overtime, on a cette capacité, j'ai l'impression, à faire l'équipe de manière synchronisée, ce qui crée des moins 3, des moins 4, alors que côté Evenings, c'est vrai que ça fait un peu kill par kill. Et là, individuellement parlant, sur cette map, c'est vrai qu'on est quand même relativement en dessous. Un gros déficit du côté de Blunky notamment, qui est en 2-11 et qui n'y arrive pas du tout. Et c'est vrai qu'à part Satsuki qui est en 17, pour le moment, ça reste très compliqué. Abusa qui a 2 score streak. Puenta qui a encore un chasseur et un lance-flamme. Une grosse carte aussi, Puenta là. Non, pour le moment, il n'y a rien à dire. C'est une copie quasi parfaite rendue de la part de Overtime. Ouais, parfait. Hein. La copie pour l'instant, elle est parfaite. Notamment encore avec cette moins 3 et le double avec les streaks de Abusa. C'est très intelligent d'utiliser les streaks sur ce P4 parce que c'est un point très contesté. Et les streaks, ça permet souvent de rendre l'avantage à une équipe lors de l'obtention de ce P4. En tout cas, pour l'instant, c'est très bien joué. Les Evenings, ils vont prendre les points poubelles de ce P4. Il va falloir se rediriger sur le P1 au niveau de la grotte. Et c'est le joueur numéro 5, c'est-à-dire Abusa qui est déjà très bien placé. Il va checker derrière lui et normalement ils vont avoir les points, les overtime. Ouais, il va être assez tranquille. En plus normalement il y a Puenta qui devrait prendre son front dans les secondes qui arrivent. Il va préférer sortir du point par sécurité pour éviter de se prendre la nade. Et voilà, Puenta comme on l'a dit qui prenait son front. Le kick qui a été fait de la part de Puenta, il va repiquer au niveau du mid, il va faire son kill tranquillement. Voilà, vraiment avec une facilité déconcertante. Pour le moment côté overtime, encore un kill qui est fait. Il va essayer de reback au niveau du chalet. Il a failli faire ce kill sur Nezia. Voilà, c'est pas un kill très très important côté Evenings. Là on fait quand même tomber 2 joueurs côté overtime, c'est plutôt pas mal. Cobra voilà qui va trade avec un bon kill sur Zeke. Abusa qui va se faire pré-shot mais qui prendra tout de même le meilleur. La ligne n'était pas assez précise là du côté de Nezia. Il va envoyer un streak là pour essayer d'assurer les 20 prochaines secondes. C'est pas une si mauvaise idée que ça parce qu'au final il y a 2 joueurs, ils savent pas forcément où il est. Voilà, il va prendre le premier kill puisqu'il va redébloquer en plus mon Bison. Et il va peut-être même réussir à récupérer le contrôle du point. Et par la même occasion un tir de mortier. Opération parfaite réalisée de la part d'Abusa là qui a joué stratégique et ça a payé les 4 joueurs qui sont en plus présents sur le P2 hein, côté Evenings. La Puenta qui a envoyé un chasseur, triple kill. Il va rester que Blunky maintenant pour essayer de sauver les espoirs des Evenings dans ce début de P2. Et Reflex là qui va contrôler le point. Il n'y a rien à faire pour le moment, les Overtime sont surpuissants pour un stratégique face à ces Evenings. Ils sont surpuissants, c'est incroyable. Evenings, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils ont la rotation, ils arrivent à avoir quelques points. Et puis dès que les Overtime enclenchent la retake, ils sont tout simplement inoffensifs. Les Evenings, ils n'arrivent à rien faire, c'est une vraie vague qui s'affronte à eux. Pardon. Et puis la défense, c'est souvent un mur tout simplement qui se dresse face aux Evenings. Overtime, pour l'instant, ils sont excellents en point stratégique. Je me demande encore comment ils ont pu se faire sweep contre Red World parce qu'ils proposent encore une fois un niveau vraiment de très très grande classe. À l'image encore de Abusa qui va envoyer encore une fois des streaks. Elle a notamment un mortier pour aider son équipe. Et je pense qu'ils ont pour objectif de finir cette map sur le point bunker, mon cher Pierre. Effectivement, 202 à 45.
pour le gros travail de la part des Overtime. C'est, voilà, on s'y attendait, on l'a dit, en 4 CTF gagné, c'est quasiment un BO acquis pour Overtime parce qu'il y a une vraie différence de jeu sur ce mode de jeu. Là, encore une fois, voilà, good spawn pour Abusa avec ses coéquipiers. Normalement, hein, dès qu'ils vont tomber au niveau du mid, là, ils devraient récupérer le bon contrôle des spawns et c'est le cas. On peut le voir ici, Abusa qui va être assez tranquille. Il va peut-être même décider d'envoyer un streak, je sais pas, en tout cas. Voilà, pour le moment, ils sont très tranquilles, les joueurs des Overtime. Abusa, voilà, qui va envoyer ce fameux streak, justement. Reflex qui a fait de même. Voilà, on va s'assurer simplement la victoire et 250 à 50, normalement. Hein, ça devrait, ça pourrait, en tout cas, clairement être le score final. On peut voir là, ils sont en train d'envoyer toute la sauce. En train de vider leur poche, Puenta, regardez, hein, il est au niveau du P4 alors que là c'est on est au bunker et que c'est eux qui ont les spawns. Il est en train de slay comme jamais, voilà. Là par contre on a donné les spawns à l'équipe des Evenings, on a failli voilà, en finir sur le un score quasiment similaire à celui de la game de tout à l'heure, hein, 250 à 40. Là voilà, ce sera au moins 57 points qui seront marqués par les Evenings, mais probablement pas plus. Parce que voilà, là on voit les Overtime qui ont retake et qui vont s'imposer. Du coup 250-59 score final. Victoire 3, 2 HP éclair et surtout une place sur le podium qui est garantie et assurée pour les Overtime maintenant. Ils vont affronter les Reveal donc dans la finale loser bracket pour essayer de trouver maintenant leur place en grande finale et de rejouer du coup Overtime. Red War. Ouais, exactement, donc très bien joué de la part des Overtime qui sont largement passés au-dessus de leur adversaire. De toute façon, on l'avait prédit. C'est vrai que c'est incroyable, hein, les points stratégiques d'Overtime, ils sont vraiment dominés de fond en comble. Ouais, les Puenta encore, mais quelle énorme map. Franchement, il n'y a rien à dire, c'était bien joué de sa part. En tout cas, les Overtime vont donc rejoindre des adversaires qui sont, dans la finale. Reveal, c'est ça, exactement. Dans la finale des losers, du loser bracket, et on va voir qui va rejoindre les Red World pour peut-être prendre sa revanche si ce sont les Overtime ou pour peut-être enfin s'affronter au Red World et prendre enfin une map à cette équipe qui semble invincible dans la grande finale, mon cher Pyro. Exactement, du coup on va faire une petite pause avant de revenir d'ici un quart d'heure pour la finale loser bracket qui sera l'avant-dernier match de la journée qui va opposer donc les Reveal au Overtime. Une belle rencontre encore une fois, les Overtime qui partent favoris sur le papier qui devraient donc rejoindre les Red World en grande finale pour une revanche. C'est pas encore garanti, on en saura plus d'ici une petite heure à peu près, 15 minutes le début du match, restez avec nous. En plus, je le rappelle une dernière fois, on a un petit pack, alors j'arrive dans 2 secondes, je récupère juste tous les lots que l'on vous fait gagner aujourd'hui. Donc on a un pack avec du coup un shaker Prozis, on a du gamer grip, on a un câble scuff de 3 mètres il me semble. Voilà, pour manette de PS4 et d'ailleurs Xbox One, hein, parce que c'est le même câblage. On a également des sticks et on a un chargeur allume-cigare FSP. Voilà, le tout dans un pack. Ce sera pour l'un de vous. Hier, on vous a fait gagner ceci, donc qui était le micro Avermedia, donc le tout dernier micro Avermedia qui est top aussi. Donc merci à nos partenaires. Donc voilà, restez avec nous. Ce sera, je pense, par tirage au sort logiquement. Ouais. Ce soir, mais voilà, restez avec nous. Le tweet est disponible sur le compte SFCO-eSport. Il a dû être posté il y a à peu près 2 heures, un truc comme ça. Voilà, donc allez faire un tour. Nous, on revient dans un quart d'heure pour la finale du loser bracket. A tout de suite.
PEGI 18. Reach the target location! Take out the enemy train!